ouverture ici à Paris International, c'est formidable, sur le stand de la région Nord-Pas-de-Calais, en direct avec, bien sûr, nos auditeurs du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est des animations tous les jours, des journées internes, c'est formidable. Pépé, votre présence donc sur le stand de l'agriculture, c'est pour donner quelques recettes ? Alors c'est pour donner non seulement des recettes, mais c'est aussi pour présenter tout le savoir-faire de notre région avec les producteurs qui sont ici présents, bienvenue à la ferme, les brasseries, les restaurants, le port de Boulogne. Tous les jours nous avons un thème et tous les jours nous accueillons. Merci Pépé, à bientôt. À bientôt, merci. Salon de l'agriculture 2013, pouvez-vous nous parler en quelques mots des chevaux que vous représentez, la race ? On représente la race du Nord, le trait du Nord, qui a servi au développement de l'agriculture dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et plus ? Et plus, parce qu'après ça s'est exporté dans d'autres régions. Bien, vous avez donc une participation de combien de chevaux ici ? 8 chevaux sur le salon. Est-ce que vous espérez des prix ? J'espère des prix. Donc on a déjà eu une première compétition, on a eu une jument qui a fait deuxième à l'épreuve de traction. Et puis le week-end prochain, il y a de nouveau le trophée très sportif. On espère aussi être bien classé. Voilà donc le trait du Nord, qu'on retrouve bien sûr dans le nord de la France. Vous avez quelques adresses à nous donner ? Oui, bien sûr. Notamment un centre de ressources qui s'appelle le pôle Cheval Trait du Nord à Saint-Amand-les-Eaux. Merci beaucoup. Messieurs, bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre présence pour le cheval boulonnais au Salon de l'Agriculture à Paris ? Donc, j'ai été sélectionné sur les concours et je suis arrivé là sur Paris. Quel est le travail du cheval boulonnais dans le Nord et dans le Pas-de-Calais ? Il est utilisé pour, avant, il était utilisé pour ramener le poisson de Boulogne-sur-Mer vers Paris et travailler dans les champs. On a vu deux types de cheval boulonnais. Un cheval de type marieur, donc plus habile pour transporter le poisson, et un cheval plus robuste, plus grand, plus fort pour tracter et travailler les champs. Alors, les concours d'attelage, est-ce qu'ils font ces concours d'attelage ? Les juments que j'ai amenés, non. Elles sont pas utilisées pour les concours d'attelage. Je suis un éleveur et je fais naître les poulains. Merci beaucoup et bon salon.